Bonjour et bienvenue sur natprof.fr. Nous allons voir à travers de ce tutoriel comment transférer un fichier exécutable à travers de gestionnaires à des médias de Joomla. Un grand nombre de personnes sont confrontées à ce message. Ce type de fichier n'est pas pris en charge. Pour remédier à ce problème-là, il suffit de se rendre dans la configuration générale de Joomla. Vous allez dans Système, ensuite dans les paramètres des utilisateurs, ce n'est pas là, dans les paramètres des médias, vous allez voir Extension autorisée. Vous allez rajouter l'extension exe. Vous terminez avec par une virgule. Vous appuyez sur sauver. Ensuite, vous allez se rendre directement dans les gestions des médias. J'avais créé un dossier qui s'appelle utilitaire. Je vais essayer de transférer le fichier exécutable. Je lance le transfert. L'opération, ça va prendre quelques secondes selon la taille de votre fichier exécutable. Sachant la taille maximum de transfert des fichiers, c'est de 10 mégas. Moi, mon fichier fait 1 méga 47. Donc, le transfert a été effectué avec succès. Tout simplement, à chaque fois que vous souhaitez transférer un fichier avec une extension qui n'est plus dans la configuration générale, il suffit directement de se rendre dans Système, dans Paramètres des médias, vérifier comme quoi votre extension est bien affichée ici. Si ce n'est pas le cas, il suffit de rajouter l'extension. Ensuite, vous cliquez sur Sauver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous dis à très bientôt sur natprof.fr. Au revoir.